Bonjour à tous, parce qu'aujourd'hui on va déballer la Stuffbox Avenger du mois de juin. Bonjour, eh oui, ça faisait un moment que tu l'attendais Léo, celle-là. Tu l'ouvres? Avengers, donc tous les 3 mois, la Stuffbox a une thématique spéciale. Et donc Léo était impatient d'avoir la Stuffbox Avengers. T'es prêt? Tu l'ouvres? Alors, Iron Man. Ouah, chouette. Un concours Stuffbox juin 2015. N'hésitez pas à la partager donc sur les réseaux sociaux, etc. Si vous l'avez reçu, votre photo à vous, vos vidéos à vous aussi, puisque vous avez l'occasion de gagner, donc votre Stuffbox à vous. Au dos, il y a le descriptif. Alors, qu'est-ce qu'on a, Léo, en premier? Ça, et j'ai repéré Faucon qui m'a l'air super trop bien. Je connais tous les noms. Ah ouais, il y a Faucon, il y a Thor, Spider-Man. Non, il y a... Ouais, il y a Nick Fury, ouais. Avec le symbole du Shield. Ouais, j'ai vu du Shield. Okay, et bien sûr, le dernier. Spider-Man, j'en suis pas fan. Ouais, t'es pas super fan d'Iron Man, hein, mais c'est quand même... Iron Man De Spider-Man, pardon. Ouais. Alors, attends, je vais prendre... Hop. A ton avis, on a lequel? Tu disais que le faucon il avait l'air super chouette. On a eu le faucon. C'est vrai qu'il est chouette. Attends, je vois. Je ne comprends rien du tout. Si, regarde, tu vois, il a ses ailes déployées derrière lui. Mais je croyais qu'en fait. Ah! Je sais ce qui ne me va pas trop. En fait, c'est que le masque. Blanc est trop grand, en fait. Ah non, c'est parce qu'il a une tête très ronde, il a une grosse grosse tête. C'est pour ça que ça donne l'impression que son masque est plus grand que dans le dessin animé. Mode aile rouge. Le fameux mode aile rouge du dessin animé. On a une figurine. Iron Man, donc le Mark 43. Oh, regarde, elle est chouette. Attends, papa, je peux voir quelque chose. T'as vu? On peut ouais. Avoir une... Le gros Hulkbuster, ouais, donc qui est de dans le. Le fameux méchant du grand film. Ouais. Et alors. Oh, c'est Iron Man quand il s'envole. Ouais, regarde, avec l'arrêteur. Et t'as vu? C'est une bobelette. Elle, la peinture a une finition métallique qui est assez sympa, qui la rend brillante. Vraiment une belle. Elle est très très jolie. Elle est très très jolie. Le socle aussi qui est original, puisque c'est la. Papa. L'énergie des rétrofusées. C'est tout flou. Arrête de bouger la tête, Léo. C'est juste la figurine qui bouge. C'est tout flou. Alors, je ne sais pas si plusieurs modèles étaient dispo. Ensuite, qu'avons-nous? Un mug. Ah, la boîte est jolie déjà. Déjà rien que la boîte en carton elle est chouette. Et le mug a l'air très très sympa aussi. Oh maman. Non mon papa, j'allais dire maman. Ouais, on dirait qu'il plonge. La position et du ventre. Le mug. Voilà, comme il est baraqué ce Hulk. Et son symbole donc radioactif rayon gamma. Sympa, hein. Et enfin, qu'avons-nous? Oh, deux t-shirts! Un t-shirt pour moi et un t-shirt pour papa! Exactement, Léo, t'as deviné. Regarde. C'est Ultron? C'est pour toi. C'est qui? Ah bah oui, regarde. T'as Ultron. Et ensuite? Oh, le bouclier de Captain America. Les Hawkeye. Là, je pense que c'est Hulk. Hulk. Ah, pas facile. Thor. Ouais, très bien. Iron Man, je pense. Je Black sais pas. Widow. C'est peut-être Black Widow. Ouais, à la coiffure, c'est Black. Ouais, on reconnaît ses pistolets, sa boucle de ceinture. Et là, bah regarde, il est là, Iron Man, regarde, t'as vu? Il est en train de décoller comme ça. Ouais. Et derrière, c'est le grand méchant Ultron. Alors oui, bon, petite... J'espère qu'il est pas trop grand. Oh, je pense qu'il risque d'être un...
un petit poil grand. Mais donc c'est un cadeau spécial donc pour toi Léo. J'ai reçu un email de Stuffbox qui m'ont dit que pour ton anniversaire ils t'offraient un t-shirt. Ouais. C'est sympa. Merci. Ouais. Merci hein. Merci aussi. C'est très sympa d'y avoir pensé. Donc je sais que vous regardez fidèlement nos vidéos. Et bah, on profite pour faire un coucou et pour vous remercier. Déjà le 10 juin. Bah ouais, c'est le 10 juin, c'est la Stuffbox du mois de juin. Alors qu'est-ce qu'on pouvait avoir sur... Ah oui, il y a toujours les petits trucs en pixel art. Leur... Bon, ouais, il est un poil trop grand. Ouais, il a un poil trop grand, mais... non, parce que... trop grand. Parce que... Donc... ouais, mais ça va aller, je pense. On verra, on va le porter lâche. Et ou peut-être comme haut de pyjama, je sais pas. Parce que donc prochainement, la Stuffbox Duo va intégrer les tailles enfants. Donc on pourrait être papa et grand garçon. Ouais, t'as l'air un peu baraqué quand tu le portes. Donc c'est un t-shirt exclusif, donc designé par Donnie. Donnie, donc, qui est un dessinateur assez talentueux qu'on a. Qui Donnie ? Eh ben, je suis en train de l'expliquer. C'est un dessinateur assez talentueux qui a réalisé de nombreux t-shirts déjà pour la Stuffbox. C'est lui qui avait fait le t-shirt DC Comics avec Flash en fond. Et aussi, je crois, fait celui de la planète des singes. Et il ne fait pas ça, il ne fait pas que pour la Stuffbox, je crois qu'il l'a fait aussi pour Funtasty, il avait fait un mashup entre Bender et les mignons qui était très sympa. Oh, Bender et les mignons. Donc le petit porte-clés. je pense que quasiment personne n'a dû avoir la même boîte puisque tous les modèles, il y avait plein de modèles différents qui étaient disponibles. Donc déjà les porte-clés étaient en mystery bags, donc forcément différents au hasard. Il y avait 4 mugs différents, donc Captain America, Iron Man, Hulk ou Thor. Et pareil, il y avait possibilité d'avoir 5 figurines différentes, donc y compris Ultron ou la Vision. Ultron ? Ah ouais, il y avait Ultron, la Vision. Thor, Hulk, voilà. Iron Man qu'on a. Voilà. Oh papa ! C'est la photo du film d'Iron Man ou c'est eux qui l'ont dessiné? Je pense qu'ils l'ont pris sur un truc Iron Man. Hein. Je pense voilà. Pas. Par contre, les petits pixel art qui sont toujours très réussis, qui m'amusent toujours beaucoup, je pense que c'est eux qui les font. Voilà, donc qui met fin à ce déballage. Donc, merci encore à Stuffbox pour le petit cadeau pour Léo, c'est très sympa. Papa. Et pour ce contenu très réussi. Oui, Léo ? Il y a Captain America. On dirait que non seulement il court avec son bouclier à la main là. Montre. Tu vois qu'il va le lancer en courant. Ah ouais, il a une pose assez sympa, le Captain America. Mais moi, je trouve que le Iron Man est très très réussi. Avec son stock. Que Buster ? Non, celui-là, là. Dans sa... Ah ouais. Le Hulkbuster, je l'avais vu et je l'ai trouvé un peu gros, un peu mastoc. Donc, il était d'ailleurs dispo dans une autre boîte. Il est plus gros que ta lampe, non ? Non, mais il est deux fois plus gros qu'une figurine pop. Que ton installation ? Non, mais il est à peu près deux fois plus gros qu'une figurine pop normale. Mais que du coup, ta boîte ? Ouais, du coup, les détails, les finitions, je n'ai pas trouvé formidable. Voilà, donc il fait... Voilà, donc un passage en rase-mode du faucon. Voilà. merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à Stuffbox encore pour le t-shirt. Et puis, on vous dit à bientôt pour de nouveaux déballages et de nouvelles vidéos. À bientôt. Ciao.